Et bah là, moi, je dois aller voir. Bah, tu dois faire tes devoirs. Salut. En fait, on est en vidéo, là, mais salut, faut chaud tard. De toute façon, c'est une session. Bon, bah, bye. Bon, Chester nous abandonne, hein. Tant pis. Alors, l'Africa Corps se replie sur Tripolis. Base d'approvisionnement de la région. Notre objectif est de percer leur défense entre ici et Tripoli. De forcer les Boches à abandonner du ravitaillement vital et à se replier en Tunisie. Pour cette mission, nous sommes équipés de la version améliorée d'une munition anti-blindage standard. Mais nous devons nous approcher assez près pour un effort maximal. Écoutez-moi tous, j'ai trouvé sur un groupe de canons anti-char de 88 mm sur la pièce suivante. Le groupe Zebra les occupera avec les Charmans pendant que force et Baker les contrôleront dans les trous. Ma carte là, et juste à côté on voit mon temps, vous voyez par exemple j'ai le droit de bouger comme ça, et mon temps ne bouge pas, c'est juste la tourelle qui bouge, c'est vachement. Tu vois après quand on fait ça et qu'on appuie sur l'espace, ah non c'est le temps qui bouge, regarde par exemple là je reste appuyé sur l'espace, regarde le truc en bas là, c'est bien fait. Dans ces cas, je vous ferai des vidéos de la vue, non. J'ai maintenant. Avant, avec mon petit ordi, déjà, je pouvais pas faire grand chose. Et en plus, maintenant, je peux jouer à ma vue. Et en plus de ça, je peux filmer ma vue. Vous avez absolument aucun problème. Dans le désert, ça va être ça.
Bah bon, ça fait boum. Ah, là, sur mon radar. Enfin, attends. Là. Yeah, pote. C'est... Où est-ce que vous allez? Je suis là. Là, tu fous ma gueule, toi. Ok, c'est par là. Eh, c'est de l'île. On va pas tenir très longtemps. Ouais, je sais pas en fait, là j'ai eu un j'ai eu une absence d'esprit. J'ai complètement parce que moi déjà je suis bien touché là il est là. Ok, mais ça va. Où est-ce que vous allez? Bah je sais pas. C'est tout. Panzer sur notre gauche. Ouais bah ça va. Sur la cible. Bitch. On va partir très longtemps. Je sais que j'ai pas rien. La lobe. Ah. Ah oui, j'ai su. Aïe. Alors, mission suivante. Espérons, là ça fait 8 minutes qu'on est ensemble. Espérons, Tunisie, 1943. Sur leur lancée, les Alliés acculent l'Afrika Korps à la ligne Maret, une suite de positions défensives de 30 km en Tunisie orientale. Ayant perdu leur base logistique en Libye en janvier 1943, les hommes de l'Afrika Korps se préparent à repousser un assaut sur deux fronts, puisqu'ils font maintenant face à l'ouest aux troupes américaines et à l'est aux Britanniques. Malgré leur avantage, les Alliés progressent avec précaution tant le terrain est favorable aux défenseurs. Très intéressant. Alors, 10 mars 1943, 15h. Toujane, ouais, je pensais ça, Tunisie ensoleillée, légère brise, 25 degrés. Nous avons eu pas grand chose à faire ces derniers jours. Ces jours, ils sont chiés. Tenant nos positions dans la ville de Toujane. Toujane, je pense. Et attendant l'arrivée du reste de la division, quelle que soit la raison, on dirait que les Boches ont plié bagages et sont partis dans l'urgence, abandonnant derrière eux mitrailleuses en parfait état, essence et munitions. Car leur situation doit vraiment être désespérée pour qu'ils renoncent comme ça à tout ce matériel. Ça, c'est John Davis, 7ème division de l'armée. Mais au sac, les Boches attaquent en haut. Que les ponts en attendant de nouveaux hommes. Davis, c'est pas un exercice. Enterre cette mitrailleuse et couvrez votre secteur. Davis, derrière cette mitrailleuse. Ah, c'est pas un couvrir, mais c'est... Ah, c'est une photo téléphonique.
J'aime laisser les détruire, zigouiller. Au sud de notre position. Et là, je me cachez-moi là, petit chapeau là. Cachez pas, j'ai 42. Oh. Sur l'arrière de ce dernier, visez le
Voilà, pour partir en moteur, il le dit, hein, c'est un mec. Oh là, ouais, bah moi je fais ce que je peux. Hein. Je peux trouver une place. Voir pour me dire celle-là. Ouais, mais je vais me dire des coups. Grégor. Ah oui, c'est pas conduire. Hein. Ah non, ok, c'est sûr. Ouais, j'ai cru qu'on était mort. Et non, ben, vous avez vu, sur les deux épisodes, je suis pas mort. Vous savez, pour cette session-là, je vais même pas avoir besoin de mettre de compteur de mort, tellement c'est pas mort. C'est ce qu'on attend, là, les mecs. Restez avec nous. Juste derrière moi. Pardon, j'espère. Ah bon, tant pis, je vais pas mettre un compteur de mort. Je dois en mettre juste rien que le compteur, ouais, ça prend pas. Avec moi. De temps que je vais sûrement pas mettre le compteur, il serait plus rapidement. Je sais pas c'est qui m'a tiré dessus, en fait, derrière. Ouais, fallait que je parle de mort. Et voilà. Allez, c'est un des camions, faut qu'on tire d'ici. Par là.
That's gone. Il a parlé anglais. Oh, il a fait cette voix. Oui, j'ai parlé anglais, ça pose un problème. Alors, regardez, 20 minutes, c'est la fin de la mission. Wachester revient pour nous dire au revoir. Ah, c'est salaud. Et conclure cette session où je suis mort une seule fois, connement d'ailleurs, par un mec qui arrivait par derrière, je sais pas comment. Parce que normalement... Oui, il est fourbe. J'ai même pas dû le tuer, le mec, tellement je sais pas où il était. Je vais pas mettre compteur hein, pour une mort. Comme j'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Il est ce qu'ils ont, non, je rigole. Donc salut à tous, merci d'avoir regardé cette session de 2 épisodes. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, aimez, commentez, vous connaissez le refrain. Et puis bah voilà. Allez, au prochain épisode. Ouais, on en a ras le cul de ton refrain. Ouais, bah ouais, mais faut bien que hein, les gens ils oublient. Je connais bien, je connais mon refrain rouge. Bon allez, salut à tous.